De là où le vent est en baisse ce matin sur la Cano, bonjour à toutes et à tous et bon dimanche, un dimanche qui commence avec un temps qui est couvert, un peu humide, pas de pluie, mais peut y en avoir. La température extérieure est à 16-17, la température de l'eau est à 16-17. Cet après-midi, un temps couvert, une température à 21. La marée, elle est actuellement en train d'être plein bas 7h25, des petits coefficients de 39. Et sur ce plein bas, tout début du remontant, le vent est onshore par le sud-ouest, il est soutenu, il y a du 4 Beaufort établi des rafales à la 5 avec un plan d'eau qui est bien clapoteux au bord, pas loin d'être moutonneux, sur le large c'est très moutonneux, les bâches sont tendues et on a une houle longue de 11 secondes de période orientée ouest-nord-ouest à ouest qui est très mal réveillée, qui est déjà sur un mouvement à la baisse, le pic a été passé hier à 22h sur la bouée Arcachon-Gascogne à 4,20 m. Et 10 secondes, et pour ce matin, elle nous donne du 4 mètres et 9 secondes. Ça fait des vagues assez consistantes ce matin, avec 1,50 m en déferlement régulier, 2 mètres à 2,30 m sur la majorité des séries. Et sur les gros sets, ça alterne entre 2,50 m la plupart du temps et de temps à autre un petit 2,80 m. C'est costaud, c'est en vrac, il y en a partout, c'est agité, c'est pourri, c'est moche, c'est tordu, c'est nul. Là-bas derrière au large, petit 2,80 m. C'est naze, il n'y a personne à l'eau, personne qui check. La note du matin, 0 pointé. L'évolution pour le reste de la journée, ben c'est de la houle et du vent qui vont se calmer lentement. Les prévisions, à 13h, c'est 2 m, 2 m 50 ou ouest-nord-ouest à ouest, en seconde de période, vent de sud-ouest 3-4. Et à 17h, 2-30, ou ouest-nord-ouest à ouest, 10 secondes de période, vent de sud-ouest 2-3. Et sur la toute fin de journée, faible le vent. On aura des conditions d'amélioration en fin de journée à surveiller. Ça sera solide, pas calé. Et ça sera en amélioration avant demain. Le prochain point, tout à l'heure.